Selon ça, tout le monde apprend, il a fait nous comprendre que tu as des Colombiens et également des Haïtiens, et également des Haïtiens américains ou encore des Américains tout, qui impliquaient dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Donc, je pense normalement que c'est un pas en plus. Et tout ça que nous-mêmes nous sommes capables de souhaiter, c'est que nous sommes capables de continuer à aller en profondeur et pour nous capables de trouver tout le monde qui est impliqué de façon quelconque dans la mort du président, découvrir tout, les gens qui étaient financés, découvrir tout, les gens qui étaient participés comme auteur intellectuel, comme auteur de toute façon que nous sommes capables de auteur. Donc, nous sommes même capables de découvrir les gens. Donc, c'est comme ça que nous arrivons à comprendre. On dit que c'est un bon pas, mais pas plus récemment, il y a 4 suspects dans l'assassinat du président Jovenel Moïse qui extradés vers les États-Unis. Comment outre-ouais et extradition 4 suspects ça yo? Et journée jeudi et demain, il y a plus paraître devant le tribunal. Dis-nous comment nous-mêmes, avocats première dame ou bien ancienne première dame, comment nous ça? Bon, nous-mêmes dans l'expertise firme d'avocats, nous comprenons clairement, ce qui a fait là, c'est une possibilité qui gagne pour que le procès lui-même aille plus vite. Mais nous ne disons pas du tout que c'est un bon pas. Nous simplement disons que c'est un pas en plus. Un pas en plus, dans quel sens, les gens ne peuvent pas m'arrêter. Ils ne peuvent pas m'entendre. Très probablement, les gens ne peuvent pas m'intervenir. Ils ne peuvent pas m'apporter éclairage par la justice. Donc c'est dans ce sens ça qui fait que nous disons, c'est un pas en plus vers la réalisation du procès de Jovenel Moïse, ou encore vers la réalisation de ce procès que tout le pays et le monde entier attend. Donc, concernant 4 autres personnes qui ont été extradées déjà, nous-mêmes nous pensons que la justice américaine qui gagne une certaine réputation de une très bonne justice, il va faire tout ce qui est nécessaire pour être capable de découvrir la vérité et porter la vérité ça par le peuple haïtien qui attend depuis trop longtemps pour connaître la vérité sur cause ça. Mais il y a des gens qui sont américains. Est-ce que vous pensez que nous allons tourner en Haïti? Parce que vous enquête est en parallèle qui a mené au niveau de la justice haïtienne. Ou bien dit, est-ce que vous pensez? Moi-même, ça me pensait, c'est la justice américaine qui va connaître qui ça lui-même la va faire. Est-ce que l'extradition de surtout pour Haïti? Je ne peux pas dire que ni l'IA favorisé, ni l'a entravé. Il s'agit de un procès, pas oublier que l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, ce n'est pas un simple crime que lié. Non seulement nous sommes capables de dire que c'est un crime, son magnicide, son crime qui commettent sur le premier homme ou encore sur le premier citoyen qui est dans le pays. Donc en même temps, tout, puisque le gagne plusieurs étrangers qui n'ont causé la mort président, tant que nous avons des Colombiens, des Américains, Haïtiens, encore des Américains. Donc, quand bien même, il s'agit d'un crime transnational. Et suivant plusieurs articles que nous-mêmes nous étions en contact avec eux, qui étaient écrits par des journalistes, par des journaux de plusieurs autres pays, donc nous apprenons tout que, eh bien, Mounsa Yowa, eh bien, ils ont gagné des préparations que ont été faites sur le sol américain. Donc, comme ils ont fait ça sur le sol américain et que ils ont découvert tout l'argent américain dans les mains de 2-3 dans le monde colombien, donc je pense que c'est Napchita sous ça qui relève l'extranéité dans le cadre du procès. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Je pense que les États-Unis, la justice américaine, est capable de fourrer pieds bien fond dans cause ça, sans pour autant que l'IPA créer un obstacle pour que eux-mêmes joignent la vérité que a cherché pour tout le monde capable de connaître. Parce que, en fait, qui ça nous-mêmes nous besoin connaître? Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est les États-Unis qui voyaient chercher Mounsa Yowa? Ou bien est-ce que Mounsa Yowa était supposé être en Haïti? Parce que le nécessaire, c'est justice. Justice là, dans n'importe quelle façon que nous sommes capables de joindre, parce que c'est ça qui est beaucoup plus important. Donc, sous question de 4 personnes qui ont été extradées déjà, nous avons fait des déclarations déjà au niveau de la presse, nous avons dit que nous ne pouvons pas intervenir sur ça. Concernant tout le monde qui ont fait arrêter, plus l'autre monde qui ont extradé, donc nous avons gagné pour nous capables de faire ça qui est une conférence de presse et laisser ça au moment opportun, bien entendu, et c'est là ça nous-mêmes nous avons dit qui gens que nous-mêmes nous bien comprendre situation ça. Responsable c'était eux qui ont arrêté, c'est des gens dans rapport de police ou de la justice qui amène, c'est des gens que certainement juge là. Et t'as dû étendre. Maintenant, c'est la justice américaine qui a arrêté. Est-ce que vous regardez la loi haïtienne qui j'ai ça doit faire si magistrat besoin d'entendre. Sous point ça, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que tant que tout à l'heure moi je dis non et moi fait qu'apprendre nouvelle là. M'boko l'ouvert livre, m'boko al fouiller, m'boko ouais les experts dans le domaine en matière ça ne capable briller droit international privé, droit international public. Je ne les ai pas encore consultés. Donc, en tant que professionnel et en tant que monde qui a une certaine probité, je ne peux pas me prononcer maintenant sur des sujets assez pointus, sur des thèmes assez pointus, et puis moi-même pour me capable de dire ça qui passe. Donc, vu que nouvelle la fait tomber, moi étant le temps que tout haïtien et que nous venons nous poser une question, yo, par courtoisie, on a répondu. Donc, comme nous-mêmes nous répondons, je pense que ça n'a pas fini là, au moment opportun, donc je suis capable de l'autre information et peut-être que je suis capable de l'autre approche que nous-mêmes nous sommes capables de faire sur question de... nouvelle arrestation ça qui est faite aux États-Unis et également sur question de extradition qui était faite d'Haïti vers les États-Unis. Donc au moment opportun, on a même fait ça. Merci beaucoup. Vous connaissez ces avocats et Louko Desir. Et là, la population pense que bon question de persécution et empêcher que la presse parle, etc. Bon, dossier à qui point que lié, li pa fait yon pa kita, li pa ko fait yon pa nago, suivant ça que nous-mêmes nous comprenons. Et nous t'ai écrit la DCPJ, tant que tout le monde te connaît, d'ailleurs ça te gagne sur tous les réseaux sociaux, côté que nous t'ai demandé à la DCPJ pour lui-même il était capable de porter une correction à une invitation que le fait à client noir qui c'est Luckner Désir ou encore Louko Desir. Et il t'a dit non, alors la DCPJ te dit dans l'invitation, li invite dans le cadre d'une enquête. Mais on va te dire qu'il y a enquête et on dit simplement tout que tu es invité. Et on va te dire tout dans quel sens et dans quelle qualité que tu es invité. Donc dans ce sens-là, nous demandons de DCPJ pour être capable de porter deux corrections pour nous. Et premièrement, il faut être capable de dire dans quel sens, dans quelle qualité que tu es invité Luckner Désir pour y aller dans le BAF, dans le Bureau des affaires criminelles. Et deuxièmement, il faut que tu dises nous tout dans le cadre qui enquête, parce que nous connaissons plusieurs enquêtes. Est-ce que c'est une nouvelle enquête, ça passe, donc je ne sais pas. Donc, dans ce sens-là, nous demandons pour être capable de porter correction. Donc, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a fait correction? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a sur le point de faire ces corrections? Je ne connais pas. Ou encore, est-ce qu'il y a le porter peut-être pendant ma parler ensemble avec ou bien demain ou après-demain? On ne sait pas. Donc, jusqu'à présent, pour nous-mêmes, nous au point mort, donc nous-mêmes, nous restons attendus. Puisque c'est avocat et qui comprennent le dossier ça. Qui allait déjà, il est encore, etc. Qui comprennent ça. Je pense que la justice a une possibilité pour relayer tout le monde que lui-même estime qui est capable de porter un éclairage à l'intérieur et ceci pour justice capable de blayer dans un pays. Mais cependant, et inviter un monde en première fois, une deuxième fois, troisième fois, et puis si moun nan vraiment li pas gagné aucune information solide que le capable porter, pense que là c'est pas capable de dire c'est de l'emmerdement, même capable de dire que ça li capable causer moun nan des préjudices en tant que moun. D'autant plus il y a ce qu'on appelle la perception du public, la perception de la société, ça faut que nous clair sur lui. Le ko a PD voyer inviter un monde pour le paraître dans bureau des affaires criminelles, ça capable créer une autre perception dans le public là. Et pas oublier tout que Luckner Désir lui-même c'est un journaliste et le plus souvent qui a fait des analyses, des commentaires qui pas allé dans le sens monde qui n'a pouvoir qu'on y a là. Donc est-ce que le fait que la police et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince y a voulu inviter le virer tourner, est-ce que public est capable d'interpréter comme une persécution politique? Moi, je pense oui, il est capable d'interpréter comme ça parce que la perception, personne n'est pas capable de connaître qui côté une perception capable d'arriver. Mais pour beaucoup côté pas moi, je pense que c'est tout à fait normal, chaque monde est capable d'avoir une perception par où, tout dépend de côté qu'on campe et tout dépend de façon genre même on interprété et on fait qui arrive. On connaît pas médecin, mais quand même, c'est un patient qui est moral, qui étudie par la population. Bon, Luckner Désir, c'est un fighter, lui-même, c'est son monde qui a gourmé, c'est un monde qui, comment on dit ça, c'est un monde qui a une lutte que lui-même est engagé là-dedans. Donc, je pense que la potée lutte là, sous dole, tout autant capable. Information pour la population? Non, pas rien en plus que je suis capable de dire, sauf que non chita là, n'attend la DCPJ, puisque chaque monde en général gagne ça qui relève des garanties judiciaires selon tout principe démocratique qui gagne. Si vous voulez inviter, il faut que vous dites dans quelle qualité vous voulez inviter, et ensuite, s'il s'agit de enquête, faut que dans le cadre qui enquête. Donc, je pense que c'est à bon droit, c'est tout à fait juste, ça que nous-mêmes nous faisons. Donc, nous-mêmes, nous attendons réciprocité à bon côté. Et il n'y a pas de délai, si ça fait un délai pour expirer, bon. Légalement parlant, pas de aucun délai. Pas gagner aucun délai dans ce sens-là. Donc, si vous même vous voulez écrire nos deux mains cheveux, avec nos deux mains cheveux. Si vous voulez venir sous un an tout. Si vous voulez venir sous un an tout, si vous par exemple voulez venir tout, ça c'est affaire qui les regarde. D'ailleurs, c'est vous-même qui avez mené l'enquête là, c'est vous-même qui avez mené l'instruction. Donc, c'est vous-même qui connaissez qui ça a besoin, ça qui arrive, vous avez besoin de telle information à telle période, à telle autre période, vous n'avez pas besoin d'information encore. Merci. Merci. D'accord.